Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de mon challenge 31 jours 31 vidéos. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 3 astuces pour avoir instantanément confiance en vous. C'est parti. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez jamais vu ma petite tête et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Alors, le manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui touche ou qui a touché au moins tout le monde une fois dans sa vie. C'est quelque chose qui nous échappe et pourtant qui est en permanence là. C'est beaucoup trop facile de tomber dans cette boucle perpétuelle de négativité et de doute. Et ça ne vous blesse pas nécessairement que sur le point de vue personnel, à savoir la négativité, le doute, la remise en question, mais également ça peut vous pénaliser sur le côté professionnel. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous livrer mes 3 astuces qui ont aidé à avoir confiance en moi. La première, prenez soin de vous. Vous avez déjà remarqué que quand vous enfilez quelque chose très rapidement et vous sortez de chez vous, vous pouvez vous sentir relativement misérable. Je sais que ça peut paraître très superficiel, mais pourtant l'apparence qu'on a et l'apparence qu'on renvoie aux autres est vraiment important pour notre confiance en nous. Donc prenez le temps qu'il faut pour prendre soin de vous, que ça soit la douche, le massage, une épilation si vous voulez vous épiler, un rasage, on s'en fout, peu importe. Prenez le temps qu'il vous faut en fait pour vous sentir bien dans votre corps, pour vous sentir beau ou belle, sexy, attirant. Vous allez voir, ça va vous donner un plein de confiance incroyable. Parce que finalement, si vous vous sentez bien dans les baskets, vous allez respirer la confiance en vous et vous allez rayonner autour de vous, vous allez transmettre cette confiance. Et en plus, je dis ça, je dis rien, mais c'est toujours quand on ne veut pas qu'on rencontre des gens qu'on ne veut pas rencontrer. Donc soyez toujours sur votre 31, ça vous évitera de rencontrer des gens que vous ne voulez pas. Et puis au pire, si ça arrive quand même, vous serez au top. Et que les choses soient claires, peu importe la tenue dont vous avez besoin pour vous sentir bien sexy. Si vous vous sentez sexy en jogging ou en mini short, on s'en fout. Le tout, c'est de sentir que vous êtes sexy. C'est tout. Numéro 2, redéfinissez la peur et l'échec. Il faut absolument que vous changiez votre manière de voir la peur et l'échec dans votre vie, parce que ça peut vous retenir en arrière. Essayez de voir la peur comme quelque chose qui vous pousse à progresser et l'échec comme une chance de recueillir énormément d'expériences et de commentaires sur ce que vous avez déjà accompli. Ça vous permettra de vous améliorer en somme. En redéfinissant la peur et l'échec, ça va devenir en fait de nouveaux outils pour vous, vraiment importants pour vous améliorer, avancer. Vous n'aurez plus peur et ça ne va plus vous freiner. Et numéro 3, visualisez-vous sûr de vous. Fermez les yeux et imaginez-vous en étant sûr de vous. Comment vous voyez-vous? Quelle attitude adoptez-vous? Quel style d'habit avez-vous? Quel est votre timbre de voix, vos expressions? Bref, trouvez tous ces paramètres qui font que vous vous voyez comme ayant confiance en vous. Et surtout, adoptez-les, c'est le plus important. Ensuite, si vous devez faire face à un événement qui pourrait vous donner un peu de confiance en vous, comme une réunion par exemple, imaginez-vous dans cette réunion avec les paramètres que vous avez trouvé juste avant, et voilà, cette projection en fait va faire simplement que vous allez avoir confiance en vous. Et surtout, imaginez le plus de détails possible, ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, si vous connaissez la pièce dans laquelle vous allez avoir une réunion où vous allez devoir faire votre présentation, imaginez la pièce, voyez l'ensemble dans le détail. Vous allez avoir plus confiance en vous et surtout vous allez vous comporter comme une cliente, comme une personne qui a confiance en elle. Et surtout, si vous êtes quelqu'un qui est en recherche toujours de confiance en vous, sachez une chose, c'est qu'elle est difficile à obtenir, mais le jour où vous l'avez obtenue, elle partira très difficilement, quoi qu'il vous arrive dans la vie. Personnellement, j'avais très peu confiance en moi au départ, et puis à force de travail et de persévérance, et je ne dis pas que c'est simple, mais j'ai réussi à dépasser ce cap et avoir confiance en moi. Comprendre que oui, je valais la peine, oui, j'avais quelque chose à apporter. Personnellement, le sport et la visualisation m'ont beaucoup aidé dans cette démarche, mais en tout cas, je peux vous dire que quoi qu'il advienne, par après, et j'en ai eu des événements qui ont fait que j'aurais pu perdre confiance en moi depuis bien longtemps, elle est restée. Tout simplement parce qu'elle s'était créée, elle a mis du temps, mais elle met aussi énormément de temps à partir, et je pense qu'elle n'est pas prête de partir, à vrai dire, parce que je continue dans l'entretien. Je continue de faire attention à moi, je continue de faire attention à ce que je projette, et voilà. Donc tout ça pour dire, je vous souhaite un bon courage dans la recherche de votre confiance en vous. Je sais que ce n'est pas simple, mais travaillez là au quotidien. Surtout, ne vous laissez pas surmener par tout ça, parce que le jour où vous la dépasserez, vous ne la perdrez plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche, mettre un pouce en l'air, un petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous voulez faire un test de personnalité, sachez qu'il y en a un gratuit sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez également aller voir l'entièreté des articles sur le blog en barre d'infos. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans le cadre de ce défi 31 jours, 31 vidéos. Salut !